bienvenue à Melbourne pour un week-end de compétition acharnée. Nous sommes à deux pas de la plage sur le circuit de l'Albert Park. L'ambiance est à la fête dans les tribunes, mais dans le paddock, les attentes et les tensions sont palpables. Le circuit d'Albert Park regorge de virages rapides et d'une longue ligne droite où les pilotes peuvent repousser les limites de la vitesse. Il faudra faire bien attention à la déportance à vitesse moyenne pour négocier au mieux ce tracé. À ce stade précoce de la saison, il y a bien des choses qui peuvent encore changer. Dans ce sport, rien n'est jamais acquis. Tout peut arriver. Que le week-end commence! Nous voici de retour pour encore plus de F1. Nous nous préparons pour les qualifications. Les pilotes vont devoir faire preuve d'une régularité remarquable au fil de leur progression dans les qualifications. Ceux qui sont au sommet de leur art vont chercher à établir un temps au tour qui leur donnera l'avantage. Parfois, tout peut se jouer à une fraction de seconde. Que la compétition commence!
Radio check, Esteban. Radio check. Radio check. Loud and clear. And it's green light. Session all in all, I think. Still learned a lot. Radio check. Radio check, okay. Thank you.
We'll get some comments when you're back in the garage and plugged in. Another radio check. Copy. Et nous y voilà! De retour pour une autre journée de course pleine d'action en F1. Alpine a fait un excellent travail lors des qualifications et a donné une bonne longueur d'avance à ses pilotes pour cette course. Nous avons vu une solide performance de Ferrari aux qualifications. Ils auront certainement une chance de faire encore mieux pendant la course. Le soleil brille largement aujourd'hui. C'est un temps parfait pour que les équipes et les pilotes nous montrent de quoi ils sont capables. Des choix passionnants vont s'offrir aux écuries et leurs pilotes ici à Melbourne. On verra bien ce qui va se passer.